Bienvenue au quiz de la FPCSN 2023. Question quiz. Selon vous, combien coûterait au gouvernement notre demande d'autofinancer les 20 jours de congés sans solde prévus à la convention collective? Est-ce A, 50 millions de dollars, B, 5 millions de dollars ou C, 0 dollars? La réponse c'est C, ça coûte rien. Parce que comme son nom l'indique, le congé autofinancé est financé par la personne elle-même qui accepte de reporter une partie de sa paie en fonction d'un congé ultérieur. Beaucoup de nos demandes au niveau de la vie familiale et personnelle sont à coût nul pour le gouvernement. Tout ce que les personnes salariées demandent, c'est de ne pas être pris dans un système bureaucratique rigide et que la pénurie de la main-d'œuvre soit utilisée à toutes les sauces pour empêcher d'accorder des congés. Elles veulent avoir de la flexibilité et de l'autonomie dans la gestion de leur horaire pour pouvoir concilier avec les exigences de la vie familiale et personnelle. On souhaite également que la flexibilité se traduise dans l'exercice du télétravail qui est beaucoup trop rigide et restreint dans plusieurs endroits. Question quiz. Vrai ou faux? Nous avons déjà eu une sixième et une septième semaine de vacances dans notre convention collective. Bien, la réponse est vraie. On a déjà eu une sixième et une septième semaine de vacances pour les personnes qui étaient éligibles à la retraite et qui avaient 55 ans d'âge. Il s'agissait d'une lettre d'entente qui n'a pas été reconduite et les sommes qui étaient utilisées pour la financer ont été allouées à d'autres mesures lors de la négociation de 2011. Pendant la négociation 2023, ce qu'on souhaite, c'est bonifier le régime de congé annuel pour tous nos membres. Le gouvernement prétend vouloir être un employeur de choix, mais il restreint constamment les possibilités de télétravail et il multiplie les mesures pécuniaires au détriment de la conciliation travail-vie personnelle. Il va être important dans la prochaine ronde de négociations de se mobiliser pour aller chercher des gains au niveau de la vie familiale et personnelle. Pour en savoir plus sur les revendications portées par la FPCSN, rendez-vous sur le site NégoFP. Vous allez pouvoir y consulter le cahier de revendications qui a été déposé au gouvernement le 28 octobre dernier. Pour vous approprier les demandes portées par la FPCSN, vous allez voir, il va y avoir plusieurs actions qui vont être organisées localement dans vos établissements. On vous invite à y participer en grand nombre. Surveillez vos courriels de votre syndicat. La mobilisation sera de grande envergure dans les prochains mois. Si le gouvernement veut réellement être un employeur de choix, il va falloir qu'il réponde à nos demandes du bord des professionnels, techniciennes et techniciens, du bord de l'ensemble des travailleuses et travailleurs du secteur public, solidarité. Parce que je dis tout le temps la prochaine ronde de négociation, excuse-moi. Faut pas que je dise la prochaine, on est dedans. Ah, moi j'étais genre raide comme une barre, c'était ça mon enfant. Je vais faire la pause, Alice. Laisse-moi partir! Enfin, aussi, pour vous approprier les demandes, Chris. Je recommence.